Une actrice au talent incontestable, mais aussi une contribuable. Isabelle Adjani a été condamnée par contumace jeudi à Paris pour fraude fiscale et blanchiment à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende. Elle a été reconnue coupable de s'être frauduleusement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, éludant ainsi 236 000 euros d'impôts sur le revenu. La star primée du cinéma français a également été reconnue coupable de blanchiment pour avoir transféré via un compte non déclaré aux États-Unis 120 000 euros vers le Portugal. Son avocat a annoncé qu'elle ferait appel.